Ouais. Les gens, c'est Rigorap. Valentin n'est pas là, donc... voilà, on se retrouve pour une vidéo en direct live. En direct... il va être... les 21h de la cette vidéo. On va poser, tranquille. Pas de problème, gueule. J'ai une coiffure de merde, putain. Là, je viens de sortir de mon poil, là. Là, c'est la... je sais plus, j'ai combien de parties. C'est la troisième partie, parce que l'autre, j'ai pas pu la sortir. Pas enfin, de sortie, mais... à la fin, ça bug à mort. Donc, j'ai décidé de la supprimer pour la refaire. Donc, on va dire, c'est la troisième partie. À 4h, mais après-demain, quand je vais revenir de la poste, parce que là... je vous ai pas dit, mais je me suis fait chourer pour ma carte. C'est ce qui m'intéresse. Enfin, je m'en bats le coup, je raconte ma vie, mais je m'en bats le coup. Voilà, je me suis fait chourer ma carte. Donc, voilà. Pour ceux qui s'intéressent, voilà quoi. Un petit conseil à vous donner, si vous allez à la poste, bonjour, c'est Blurt, pour retirer l'argent tout. Essayez de faire bien l'argent sur votre carte. On a un conseil. Au moment de la retirer, vous faites... je sais pas moi, vous... Vous faites bien attention à... à qu'elle s'enfonce pas, parce que là, ça s'enfonce, c'est mort. Je te dis, arrête. Moi, je peux te faire la même vidéo. Sans la box, je peux pas... C'est que la box... la box, là, a fait bloquer mon truc, quoi. Ça fait bugger mon truc, mon jeu. C'est chaud. Comment ta copine a réagi pour les 120 euros? Elle m'a dit c'est tout? Non, je rigole. Hein. Bien entendu. Non, parce qu'au début, elle a pas compris, tu vois. Elle a pas compris. Puis c'est au moment où. Où elle a vu la vidéo, tu sais, parce qu'à la fin, on la voit un peu. Mais ouais, pourquoi tu ris comme ça? Elle m'a fait attends, t'as vraiment mis 120 euros. Dans 5. Et donc, alors que t'aurais pu m'offrir un nouveau skin de Jinx, tu fais. Ouais, je veux le? Ouais, je veux le. Ouais, la saison dernière, elle a fini Silver. 4. Et elle squatte? Bah en fait ça dépend, c'est comment j'ai vu mes paroles LOL, bah souvent la suite tu vois. Mais là vu que je joue plus, bah je joue plus aussi. C'est bizarre, genre on est connecté par rapport à ça plutôt. Ah, c'est en ce moment les gars, c'est de l'arme. Bon peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera plus... sera pâtie, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est l'arme du bon là. Surtout en SND, si vous jouez avec, si vous mettez super bien, c'est la Amélie. Amélie comme la fille par exemple qui battait Mélo Hirodin avant de si vous voulez un pit pour un play. Oh, un petit zéro flamme fire camper. Attends, j'ai un message de 5. Touch au 5, pardonne-moi, j'ai spoon. Juste un ami. Touch au 5, pardonne-moi, j'ai spoon. Juste un ami que je le kiffe, MDR. Non, sérieusement, j'ai la top pour ton line-up. Bon, allez, faites-nous rêver, ciao. Et Zach, arrête de choke. Oh. Allez, tu sais que je vais trahir. La dernière fois, tu m'as dit, ouais, machin, je t'ai dit que je voulais pas te faire en ligue. Et maintenant, je vais jouer. Voilà, je disais que c'est plutôt bien cette arme, hein. C'est le mec il lave la main, tu sais. T'as 50 balles, bon par contre pour recharger c'est un peu la crise. Bon, on va récupérer. Hein. Dans les mecs chauds pour les dons, GG pour Millium. C'est vrai que Ryan, oui, je vais te slay. Mais après c'est parce que toi tu fais des gros dons, mais bon, je vais pas dire pas souvent, mais je vais dire c'est... Genre tu vois je m'en rappelle parce que des fois il spam le Silver Nino, je m'en rappelle parce que c'est aussi un mode spam mais de 5 euros tu vois. Après j'avoue que toi t'es chaud parce que toi t'en fais pas souvent tu vois, mais quand t'en fais un tu vois. Mais mec allez attends, je viens de faire 3 kills, j'ai eu 2 ravitaillements sur les 3. Des ravitaillements. Bah des ravitaillements, je sais pas, bon, peut-être des ravitaillements qui font bugger mon jeu encore mais. Tu vois que tu peux m'envoyer la caisse. Le bruit de ton arme il est vénère. C'est mon arme. Ouais! Le bruit de la Amélie, genre, moi je t'entends tirer ça? Non, je l'ai pas ramassé, en fait, dès que je t'entends tirer, ça fait. Non, parce qu'au moment où t'as dit ça, en fait, j'étais pas en train de tirer, c'est pour ça que je me suis dit. Non, mais en fait, t'avais très chance. Mais genre, vraiment vénère! Bah, allez, moi je suis 8 balles, est-ce que je tue en 8 balles? Oh merde, parce que là, si vous entendez un chien qui. Dites-moi dans le chat si vous entendez un chien qui aboie. Ou toi, Nani, t'entends le chien qui aboie? Bah. Non. Ok, ça va. Regardez, j'ai rien dessus, à part rayure avancée qui est intégré. Bon, après vous me direz,
J'ai c'est celle améliorée qui tire deux fois plus vite. Mais justement, là le truc c'est qu'elle. C'est que j'ai pas poigné avant, etc. Et vu que ça tire plus vite, bah, en général du coup l'arme elle est plus dure à gérer. Et sur un niveau je trouve ça va quand même quoi. Enfin je sais pas. Oh, mais je prends des trucs, sérieux. Après c'est vous les seuls juges, hein, les potes, hein, mais. C'est jamais ça. Elle bouge pas du tout, j'ai rien dessus, elle bouge pas du tout, c'est. Tous les anglais jouent avec en ce moment. Et c'est un peu devenu le rapid fire. Tu regardes dans la lunette, les yeux, je le comprends pas. Ouais, qu'il arrive toujours, il joue 4. Ouais, c'est né surtout, ou même Emma Despen. Même dans Emma Despen, hein. Mais en uplink et tout. Ouais, c'est dingue, carrément, c'est le faire. Hein. Je savais pas que je l'avais débloqué en élite. En plus, ça allait bien en élite, c'est pas comme si c'était un gros désavantage. Non, genre, pas du tout. Non, mais tu sais, il y avait genre, il y a la N12, tu vois, ce que c'est la N12. J'avais débloqué une en. J'avais débloqué une en élite. Et tu sais ce que c'est son passif? Je peux mettre aucun accessoire dessus, mais quand je dis aucun, aucun. Donc, le truc, c'est que t'as une. Donc, ouais, c'est bien, elle a des stats cool, mais t'as pas de bonnier go, t'as rien du tout. T'as pas de trans. Donc, ouais, c'est. C'est bien, hein. T'imagines, genre. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Non, mais ça va, quoi, ça met pas trop des grosses retournées, là, cette arme-là, pour le coup, là. Hein. Non, 21-5, le mec est bien. Ça fait déjà 20 euros, non. Ah oui, c'est vrai, ça, parce qu'il y a Cobalt, bon, je sais pas s'il est là, parce que c'est il y a longtemps qu'il m'a fait ce droit. Mais non, par contre, je reste pas sur le point, moi. Ouais, mais je vois ça, j'ai sorti comme un gros sale. Eh, non. Non, parce que maintenant que je joue avec Melo en plus et tout, attends, parce que là, si je vais pas ouvrir maintenant, on va te faire un machette. Ouais. Mais le truc, c'est que je suis en série aussi, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et la forme de bras, c'est chaud, bon, je vais ouvrir. Non, mais t'as pas grave, je te couvre. Terrible de ma vie. Oui, c'est pareil. Oh, ce que je mets. Ah, mais j'ai pas vu, j'ai débloqué. Oh non. Gros, à peine tu t'es barré, je melt des morts, en fait. Gros, faut que je fasse des RTG moi-même tout seul, en toi. Oh ouais, t'es en train de melt des morts. Oh là là. Sérieux, je suis trop fort. Hop, je change juste à 200 points et on se casse. Sona. On va quitter encore. Oh, wow, 15 euros sans l'astico. Mais moi j'ai toujours un hélico, ça je le mets. Ouais. Si franchement c'était pas considéré comme bâtard de jouer avec des hélicos, moi je jouerais avec. Hein. Tu sais, les hélicos, je trouve ça dur à débloquer, hein, contrairement. Hop, c'est pas grave. Non, mais tu me diras, le truc là, le drone machin, c'est facile à débloquer, donc j'avoue, c'est bâtard de jouer avec. Hein. C'est comme si on débloquait un drone limite et ça fait super mal. Putain, attends, mais là, c'est des mecs super chauds là, hein. À base de 10 euros, 15 euros. Ah, bah, je pique tous mes vieux. Bah, tu sais quoi, regardez les gars, attendez. Tu regardes lui, je le déchire, hop. Bon, voilà, il m'a piqué le kill. Attendez, là, je fais un petit 3-6 comme ça, hop. Bon, attendez, on recommence. 3-6 comme ça. Bon, c'était de la merde. Alors. Mais 0-3, je te suis dans tes choix, je suis sûr que ça a été longuement réfléchi. Je souhaite un gros gel à toi et de hate. Bah, merci Psycho 03. C'est vraiment pour la première fois genre que je fais RTGM en même temps que toi, tu vois. En live-en. Et genre, c'est t'as toi qui reçois des petits points à tout va. Ouais, mais attends, mais là ça s'arrête pas, mais je t'entends pas. Tata Yo, non, c'est pas Tata Yo. Bonjour la vie. Moi je reçois des petits 2 euros de temps en temps. Non, mais là c'est des gens grave chauds, tu vois. Ouais, je crois. Et c'est parce que toi, tu vois, genre t'as des mecs chauds, parce que t'es un mec chaud, tu vois. Genre moi je suis une merde. C'est vrai, quand on y pense, c'est vrai que. Mais quand t'es pas un mec chaud, t'es chaud d'avoir des mecs chauds. Je pense que t'as vraiment trouvé le bon truc, quoi. C'est. Par contre, les rechargements de la mini, c'est vraiment la plus. T'es un défaut aussi, cette arme, t'sais. Putain. Alors. Rainer, salut, bon courage pour la suite. C'est sympa de t'affronter sur Code Avatar Farm et sur PC, c'est possible. Ça serait sympa, ce serait comique, quoi, surtout, je pense, hein. Ce serait soit hardcore, soit un comique. Après, si je prends une manette comme contre Code Jordan, je pense qu'il y a moyen. Bon, j'aurais pas de visée auto, mais. T'as joué contre Code Jordan, ouais. PC à la manette. Ouais. Allez, c'est pas. Ouais, c'était sympa, on va dire ça. Ah, il passe Psycho 03, en fait, c'est mon premier titre, GNDR. Bah, du coup, là, c'est en P2, du coup.
celui qui attend celui à 15 euros et celui là à 5 euros, tout ça fait 20 euros. Les mecs, sûr. Ah, celui qui est super sûr. Ah, on va-t-il arriver, les gars? Il est là, hop. Non, j'ai pas si j'ai vu descendre. On va essayer de mettre un deuxième hélico avant que ça se finisse. Parce qu'on voit bien. J'en recharge, hein. C'est bien ça, on met quelques petits headshots. Il y a un mec qui est rentré dedans. On pourrait descendre. Oh là là, oh là là, oh là là. Je crois que c'est le 14, moi.
qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le 12. Sachant qu'il y en a un autre entre les deux. Ah, oh, ouais, c'est un autre. C'est le 14 ou le 15. On va tester la mineure, c'est le 9. Let's go. Là, c'est là. Ah non, c'est l'HP, pour le score. Ouais. Et là, tu vois, genre, le HP, il délaye ma dégustation de ce qu'il a. Parce que la SND, au pire, tu peux faire un rush. Ouais, c'est ça, tu sais, je peux faire un rush tempête, je m'en bats les couilles. Un rush tempête, il est dit. Un rush claquette, pour la ligue. Vous savez comment on est des mecs, sûr. On fait des kills ensemble, on meurt ensemble. Bon, par contre, j'ai pas poigné à gauche. Il faudrait juste poigner à gauche, je pense que cette arme, serait le fire. Comment? Faudrait juste poigner à gauche, j'ai dit, et cette arme. Mais c'est. Ah, j'ai compris. Ça melt de ouf. Hôpital. T'as pas dit comment? Ah, ça dit quoi là? T'as dit vraiment. D'ailleurs, Hôpital, il m'a montré. Attends, je connais même que tout à l'heure. On a perdu un SND. C'est eux? Ah, ouais. Sauf que Il manque pas le. Il manque le mec chaud, non? Ouais. Y'a vraiment un abo qui m'a envoyé une mention à deux chocs. Bah non, mais dans un béton, un mec a dit à deux chocs, donc c'est pour te dire quoi. Ouais, je sais. Non, mais là, j'ai tellement pas confiance de par où ça va arriver. Encore, bah, évidemment, mais c'est. Y'a lui qui met un truc là, j'ai rien fait. Ah, y'en a un qui vous contourne, je crois. Ah, mais j'ai masse ravitaillement là, genre c'est. Je comprends pas ce que c'est d'ailleurs. Genre c'est des ravitaillements chelous, genre il y a une barre verte en dessous. Ah merde, bon. Ah ouais, non, mais ça c'est un nouveau truc avec la mage qui est arrivée, mais je sais pas ce que ça donne exactement. Je pense que c'est quand tu melt. Ouais, ah, c'est pour ça j'en ai pas. Genre c'est ravitaillement de mec trop fort, tu vois. Du coup, moi j'en ai jamais eu. Bon, par contre, un poignard go là c'est vraiment la crise de la meilleure, donc je sais pas vraiment si. Par contre, c'est fort de près, c'est fort devant, c'est juste que faut. Ça met 10 ans à recharger et. Mais après, quand t'as fini ton petit full team avec, t'as pas. Ah. Est-ce que t'as le temps de recharger? Oui. T'as mec. Mais il est déjà là! Putain. Naïf. Ah, je pensais que tu faisais une vraie cover. Je sais pas, Espagne, par contre. Là, c'est celui que j'ai débroché de bœuf pour mal se mener là, je peux pas. Ah, mais faut que tu goûtes ça, c'est trop bon, mec. Ouais, je sais. J'ai suivi tes conseils, ma commande à l'Oresto a été faite, c'était judicieux. Donc, les gens, pour ceux qui mangent sur l'Oresto des Japonais ou Chinois? N'importe, tu peux tout manger sur l'Oresto. Non, mais là, ce que t'as commandé. Là, c'est japonais. Encore, on a obtenu un ravitaillement. Non, mais attends, c'est le fire de ouf. Ouais, gros, tu mets. Oh, c'est putain de fire. T'es japonais, gros. En ligue, les mecs ils meltent aussi. Hein. En fait, ils jouent super sérieux. Tu vois, t'es là avec une amie en train de tester. Ouh là là, c'est le feu, mais tu te fais déchirer par les. Ah ouais, gros. Non. Ton arme, elle fait vraiment avouer un pape. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, Gotham. Qu'importe le flacon pendant qu'on est livré, enfin tant qu'on est livré, c'est ce que je dis moi quand je bois de la vodka caca à 8 balles et qu'on me dit ah t'es dégueulasse. Putain, je me fais mettre quand même là. Ouais, c'est. Poignard go, faut mettre des headshots en plus, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai spoilé un autre bout de la main. Ah ouais, moi je connaissais mais en fait ça a gâché des balles. Ah ouais.
j'aime pas gâcher des balles. Moi, le gâchis, moi, j'aime pas ça. Ouais. Mon papa, il m'a éduqué en mode, ouais, le gâchis, c'est pas bien. Et tout dans ton assiette de choux de Bruxelles et tout. Exactement. Et du coup, bah. Merde. Vu que le gâchis, c'est mal. Ouais. Par là, bah, moi, je me suis dit, mon papa, il m'a signé regard en streaming. De moi à la MLG, par exemple. Et bah, moi, j'ai du gâchis dans mes balles, bah, il va m'envoyer. Il va partir. Par contre, je sais pas ce que vous avez essayé de faire dans le plan. Mais MLG, c'est le nouveau nom d'FCO ou bah, je pense que justement, un petit peu. Parce que après, il y a ma maman qui m'a aussi appris. Bah, Yanni, elle m'a appris à participer. L'important, elle m'a dit, écoute, mon fils, l'important, c'est de participer. Non, mais genre, c'est bon, j'ai l'écho, c'est bon, j'ai l'écho. Oh, t'es traite. Sérieux, je peux te déclarer. Vous faites un bon quand il extérieur, les rageux veulent en prendre partie.
Je suis en train de me faire un peu de temps.
pas fait. Je pense que tu as 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 pas fait. Le SM ou la balle, c'est pas la bonne idée, c'est aussi. Bon, le SM, encore ça passe. Je peux pas mourir prochainement. J'ai mes torts.
Ensuite, tu vas te carrer, là ça fait déjà 2-3
truc assez, tu vois. Ensuite, il dit, tu vas grimper dans le sac à dos. Ils avaient 3 sur 3, tu vois. Bah, deux dans la main, t'es monté dans le sac à dos. Ok. C'est moi. Mais non, mais qu'un âge. Oh, qu'un âge. C'est grave, je vais être collé. Dommage, je t'ai pas tué. Oh, c'est trop interne, c'est trop interne. Oh, recharger, ça dure plus longtemps que je faisais avant. Ouais. Ouais, le mec en voyant me baisser, tu vois, sur la bombe pour recharger, il a dû croire que je faisais la bombe. Je pense que genre, poser la bombe, ça dure plus longtemps que moi, oui. J'aurais pu dire oui si t'avais déjà posé une bombe. Ouais, alors, ouais. putain, c'est un mec. Moi je trouve les maquis c'est même mieux que... Mais t'as pris des maquis normaux? Ouais, et en fait les brochettes au fromage, t'as aimé ou pas? Bah gros, le feu sa mère. C'est trop bon ça. Bah oui. Ouais putain, les gens ils font les pires pour des rois à leur restaurant live. Je suis c'est mon propre cas donc tu veux. Deuxième nani. Parce que je te cache pas que pour l'origine c'est un peu chaud. Les brochettes au fromage je pense. Mais non. Elle est pas mal sinon. En tout cas, j'aime bien regarder Kikam parce que je peux admirer mon super perso, tu vois. Ah ouais? Ouais, les mecs, je sais même pas comment ils osent me tirer dessus. Mec, je sais pas, il a...
c'était la bombe, monsieur. Si t'as pas vu. Putain. Il était où? La bombe était à l'Artspoon. Ah ouais, mais putain, on est en jeu des trisons en plus. Hein. Ils sont pas ensemble, ils font n'importe quoi et ils laissent la bombe chez eux. Mélo a déjà eu un don de 500 euros. Bah écoute, j'ai même pas fait attention. Il y a un petit coup de moi aussi qui est passé sur mon truc. J'ai même pas, tellement j'étais concentré, je m'en pas écouté. Écoute, donc, vas-y, Tico 03, merci. Hein, je viens de donner 20 balles à Gota, donc tiens, gros, je te fais 10 balles pour une vodka au Macron. Bon, bah merci beaucoup, Psycho, c'est super sympa. Putain, j'ai même pas fait attention. T'as vraiment pris la grosse tête. C'est débile parce que tu vois, genre, j'ai mis le truc d'alerte, genre ça fait le petit chien, ça fait le son et tout. Quand tu fais un don, je peux passer le message et je le lis même pas. Mec, honteux. Mais non, mais toi, mais sérieux quoi? Ah oui, oui, donc on remet la pression à les autres. Hein. Tu fous quoi toi? Bonjour. Oh, oh mais t'es tellement loin. Hein. Derrière toi, il a cédé. Derrière toi après. Putain, tu pues la merde. Oh, ouais, tu frappes ta manche. Tu me pues la merde. Vraiment, je voulais te poser la bombe. Mais bien sûr, mais non, tu... Oh non, non. Mais le mec, c'était en face de toi, enfin, je sais pas. Non, tu vois, non, il était pas en face de moi. Merci, il était en face de toi. Tiens, non. Si, il était en face de toi, tu vois. Non. Un don de 1000 euros pour Gota. Bah tiens, genre, j'ai un don de 1000 euros, franchement. Ouais, la dernière fois, pour un don de 60 euros, j'avais joué une game avec le caleçon sur la tête. Mais déjà, 100 euros, j'en revenais pas, c'était, j'étais là en mode... Pour moi, c'est énorme. Hein? Ouais. Descendez, je vais. Ah. D'accord, très bien. Ah, non, tu vois, regarde. Ok. Oh, là, y'a un mec qui va arriver dans 5. Oh là là, mais moi j'essaye de rusher. Le mec il est pas, c'est un petit 2. Zéro, tu vois, il était là, putain. Ah ouais. Effectivement, bien vu que t'as gardé. On va faire dans cette game encore. Hein. De toute façon, toutes les scènes que je fais que Nani, je les perds. Non, on est cœur. Mais je peux pas faire les courses. Tu prends la GVT, je peux pas. Ah, je préviens, tu vois. Donc là, on a notre abonné Nexa. C'est qui vient d'arriver sur mon thème. Je sais pas, c'est pas la mine. Avec le géo. Oh bon, je crois. Merde. Oh, j'arrive après. Tu. Ah, Daniel, en fait, tu parles depuis tout à l'heure, mais t'es en descente quand même, hein. Quoi? Oh! Nice! Lui il a des bons moves quand même. Lui il a des super bons moves. Ah tu vois, genre il a gardé son sang-froid. Non. Il est fort. Mais l'autre, putain gros. Comment il a réagi gros. Ah mais lui aussi, il était super rapide. Bref. Peut-être pas faire en fait. Va gagner tranquillement. Écoute, non, c'est un peu chic. Ça fait un vachement dans la main. 50 bombes, 15 euros. 50 bombes, mais le truc c'est que... Non, c'est un vachement dans la main. Donc tu m'en as c'est parti, hein, parce que je sais pas. Allez hop, ça rush. Ah, j'ai touché. Y'a un sniper, top. Et c'est moi qui touche, comme d'habitude. Ah bon, peut-être pas. Oh, y'en a pas, y'en a pas. Wesh, il est où? Il est perdant. Oh, yeah, j'ai reçu un don. Nico 13, c'est même pas moi. Oh putain, il a fait un double. Oh, merci à Nico Nino. Merci beaucoup Nico Nino, c'est un trade. Normalement, c'est que sur mon stream que tu dois être. Oh, toi. C'est ton mec sûr. Ouais, Nico Nino, c'est ton mec sûr. Bah, c'est pas parce que tes mecs sûrs deviennent mes mecs sûrs. Non. Je suis un mec sûr. Faut juste espérer, crois pas. Non, apparemment, je l'avais. Ouais, c'est un Team Gotaga. Voilà. Nico Nino, il m'a envoyé un don pour me dire. Team Gotaga. Pour me dire Team Gotaga. Ok. Oh, ah, tu vois, tu l'as bloqué. Là, donné 30 euros, merci. Merci beaucoup. Non, c'est mort, j'aimerais bien l'avoir si je l'ai pas assez d'un bol. Merci beaucoup, Monsters. Gotaga, je te kiffe, mec. Par contre, kiffe, t'as quand même écrit K-E-A-F.
bref, hein, ça fait un peu vite, hein. Et que j'ai vu qu'à l'heure, quand tu jouais avec des armes de plots à cause de Marquis B et ses potes, à toutes tes sols live hier. Bah oui, Marquis B et tout, hier, en sortant un sniper, il les a battus, il tue tous avec cette arme, et le sniper, vous savez, qui tire des balles explosives. Ah, merci beaucoup, tu fais pas de putain de vie comme ça là. Ok. Oh non, mais j'avoue c'est relou là. Tu sais que putain, j'ai plus sur pas que je suis resté de kill, j'ai l'impression que j'en ai pas fait depuis 3 quarts d'heure. Bien joué, t'as tué celui que tu sais. Bien joué, t'as tué un deuxième que tu sais. Je pense que tu t'as rendu bon. Ouais, je devais hein. Bon, allez, on va jouer ensemble, on va jouer ensemble. Ah non, moi je vais jouer. Je reste tes collègues. Là, tu vois, genre, sans se prendre le temps, on a vraiment des enfants. Des enfants d'eux? Allô? Coccinelle. Coccinelle. Elle est amusée. Voilà, je vais être vite. Et permets-moi d'aller. Allez, soir! Je suis avec lui, tu es en train de pisser dessus, mon gars. Oh, tu étais en train de pisser dessus, de mentir. Pourquoi tu manquais une balle et tu étais mort? Allez. Hitter, toi. C'est parce que tu sais pas faire ça. Alors, finir en 4-6, je sais pas faire. Quel besoin? Mon truc, c'est sûr. Franchement, ce qui est chiant, c'est d'acquérir autant les SMD en. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, c'est de la SMD. Ouais, c'est chiant. Est-ce qu'on pourra ouvrir la caisse? Ouais, attends, parce que l'arbalète, j'ai master de l'époque dessus. Ah, je suis dit. T'es un bon, mais bah, je suis diamant. Bon, c'est où que tu vois l'arbalète? Wesh. Bon, de toute façon, un réglage de retailer, je fais toujours le vrai. Pour ouvrir le truc, je ne propose pas de. Ah, c'est une arme secondaire, mon valet. Voilà. C'est quoi qui change en fait? C'est du genre, celui-là j'en ai une masse. Celui-là est stylé. Celui-là est stylé aussi. Bref. Un vrai conquérant, faut que je tire un T4. Bon, c'est quoi, j'ai essayé maintenant. Bon, moi j'ai toujours rien débloqué. Non, toujours rien. Bon, le poignard, il crosse. C'est un peu relou. Très fort, prochain passage. Ça va, la SMR, hein. Je pense que tu vois, c'est quoi, tu sais pas, hein. Excuse-moi, je voulais faire 150€, mais le truc c'est que putain, on fait des putains de SND et c'est assez relou. Bon, moi ça va être la dernière, je pense, parce qu'en fait, le truc c'est qu'on fait pas beaucoup de parties, vu que c'est des SND à chaque fois, du coup ça dure 15 minutes. Là, c'est la troisième qu'on fait cette SND. Ouais, c'est la troisième, je sais. Ça fait 2 HP, je pense. Ouais, c'est FD de Pink. Ah, on a pas fait ni CD, ni Pink. Ça, c'est chiant. L'épisode de du sauvé. Bon, c'est là, vous savez quoi, j'ai pas tant d'appareils. Pas d'Amélie, rien du tout. Nous savons essayer de gagner rapidement. On va laisser poser. Il y a un mec qui est master en face de 50 points avec un plan de quota. On va essayer de déchirer. On va voir si le Kerman puni. Le Savior, je sais pas s'il va mettre ses gens débauchés toute la game, mais en temps normal, ça aurait pas été de la partie classement, je te cache pas, j'aurais fait un petit start hit. Hein. Ouais, c'est même plus du bullshit à ce niveau-là. Donc là, tu tues, tu te cagotes en plantail, il y en a un sous toi, un chez lui, tu le sais, et un sur mon dos. Je pense pas qu'il va y rester, hein. C'est qui peut s'attendre autant. Et là, t'as payé déjà, à droite. Là. Il y en a un vers V là, ouais, là qui vient de tout à l'heure.
chant. Clem, c'est du côté, je te soutiens pour tous les choix. J'adore ce que tu fais depuis 2 ans. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bah, merci, Clem. Ça fait plaisir. Et ah, mais c'est pas bien, je t'ai tué. Ah, mais lui, je suis super vite, mec. Hein, tu verras. Hein. Ah, mais t'as vu comment il a pas fait avant. Tu vas apprendre à connaître sa viande. Est-ce que t'as l'air, ce que j'ai dit, je me ferais glaciner, est-ce que je les ai faites au final? Non. Eh non. C'est pour ça? Pourquoi? Je vais dire parce que t'es qu'une merde. Mais après, il dirait que j'étais un leader. C'est super beau, ça, dis donc. Allez, tu meurs pas. Allez. Dans un titre de petite rafale. Voilà, putain, elle est morte. Ah, mais c'est un super shoot, ça, Gotha, que tu viens d'avoir. Hein. J'ai crevé, là, mec. Ouais. Attends, c'est un autre, là, qui m'a tué? Ah non, c'est le même. Totalement. Putain, je pue la merde, là. Je vais sortir la balle obsidienne. Enfin, avec quoi? Oh là là, mais putain. Ça va être le DV3. Ça va être le DV3. Oh, d'ailleurs, des mecs. Non, ça va être le DV4, pardon. C'est chiant, la SND. Oh là là, oh là là. Moi, tout à l'heure, je sais pas, j'ai vu là, je me suis dit, est-ce que c'est ma dernière game ou j'en fais encore une? Il finit, puis j'ai vu comeback et pling. Je me suis dit, comeback et pling, tu vas pour finir super bien. Et au final, je vois quoi quand ça lance? Terra, SND. C'est passé quoi entre temps? Hein? Y'en a un, il m'a dit, si Gotha te follow, je te fais un don 15 balles, Nani. Putain. Hey, wake up. Donc là, tu crois qu'en cliquant sur un bouton, changement de tank peut éventuellement déclencher. Rechercher la marée de bonheur. N'hésite pas, hein. L'objectif. Adzak Nani. Ça, c'est le silence qui veut. Bien tiens, bien. Ça vient. Ah non, mais ça, c'est pas. Dis-nous que je suis meilleur. Meilleur. Merci mec, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Rappelle mon. Un super bon, c'est bon, y'a personne dessus. On a tiré. Quand ouais, t'as mis déjà du chose pour aller à vendre, ouais, bah ouais, après tu vois, y'a ceux qui confirment ensuite quand ils vont à vendre et. ceux qui étaient censés aller à l'aile. Si tu follow Nani, je te fais un round 40 balles de joker. Enfin, il va falloir mettre pas dans le portefeuille. Hein. Ah, c'est trop gros. Non. Écoute, si tu gagnes 40 balles, je gagne 15 euros. Mec. Écoute, on fait ça, on prend, tu sais, genre comme les photons, on prend ça, je prends un screen, je le rush, je suis content, on a les deux. Donc, ligne, Gotha, pourquoi vous faites pas la GL qui se qualifie pour la WC d'après ce que j'ai compris? Sinon, bah voilà, je sais que ça à dire que tu es l'artiste. Bah, parce qu'on préfère faire le tournoi Infinity, et aussi parce que c'est des tournois online, enfin, on n'a pas forcément besoin de cette qualification, enfin, vu qu'on est très bien parti pour les votes pour l'instant, et vu qu'on va déjà à l'Ego ce week-end. Vous allez aller à l'Ego ce week-end? Ouais. Oh, je crois que vous allez avoir 4 jours. Bah, vous allez voir. Et qui à l'Ego, il y a quoi? C'est elle, l'Ego, qui qualifie la WC? Ouais. Il y a les top team FR déjà. AG, etc. Il y a le jeu. Ouais. On a rien à nouveau, en tout cas. Il devait y avoir TC, mais du coup, vu qu'ils ont au state, je pense pas. Mais Epsilon, je crois qu'ils sont. Ils manquent juste Epsilon TCM. Sinon, il y a genre une suisse, etc. Ah, ah. Une suisse de Marquis. Ouais. On a d'ailleurs battu hier. Wizix, à la base, Bouska devait donner 3-0 et c'est parti en couille. Donc Wizix, il doit être avec lui, j'imagine. Le mec, il a dit avec Drive, si en revenant, il t'a follow, je te les donne. Tu vas vraiment faire ton chien d'eau, Beta. Ah, ouais, totalement. Je te déteste, mec! C'est vraiment le pire, sérieux! Recherche et destruction! Comment on fait pour pas que recevoir de bug? Détruisez l'objectif! Oh, tu tapes un coup de tête dans un mur clouté, essaye, je pense que ça peut marcher. Putain, il manque une balle.
sûr. Tu poseras un, quoi. La bombe a été posée. Il s'arrive de chez lui. De chez lui? Et ça, de chez eux. Ah, ça se passe, pas. Bien sûr, c'est pas à moi. À droite, à droite. Tape chez lui, tape chez lui. Ah, piscine. Attendez chez lui. Tape chez lui, sorti. J'ai plus de balles? Non. Oh là là, nice! Et franchement, quand on est le 1v3, tu t'en sors de vos. Ah ouais, totalement. Voilà. Ah, ça c'est chiant les SND. Moi je préfère les modes spoon. Je veux dire qu'en ligne, mais même pas qu'en ligne, même en. Non. C'est quoi ton mode préféré? Ah, HP gros. Ou Uplink. HP ou Uplink? Défendez l'objectif. Ah bah oui.
radical, mais ça t'en parle, moi. Oui, radical. Il y aura ça. C'est ça qui est marrant, parce que quand je rate des trucs, je te choque un peu parce que je joue pas sérieux, tu me fais. Ah, mais Nani, machin, bidule, truc, je parle pas de la go, et par contre, quand je joue bien, c'est ouais, la go, regarde. Mais écoute, est-ce que tu l'as mis, ça tire un scope, t'as même pas scopé avec ta balle, mec. Allez, bien sûr, parce que j'ai pas le temps. Merci, monsieur. Putain, qu'est-ce qu'on va pas entendre, là. Je préfère Call of ou Battlefield, je préfère Call of que Battlefield, ça pue. Voilà. Si tu es dans quel plan maintenant, je suis dans le Télénien. C'était du bon boulot. Rentrez à la base pour le débriefing. Bon bah les potes, en tout cas, je sais pas combien de temps il a... Parce que je crois qu'il a duré quand même longtemps l'épisode. Vu qu'on a fait Mass SMD, je crois que ça a duré longtemps. Donc on a eu Mass Revitaillement, j'espère que vous avez quand même aimé. Donc encore une game, on a 2500 points, donc ce qui est plutôt cool. En sachant qu'on est au moment où on fait ce live, on est le 11 mars, donc on est même pas la moitié du mois. Et on a autant de points. Donc, je cache pas que Melo a bien aidé pour ça. Notre langage de ravitaillement qui ne se voit toujours pas, donc on va essayer de voir la prochaine fois, je pense. Et puis voilà, voilà. Donc Nani qui a déjà live de l'autre côté. Merci à Pascal et Alexa, c'était vraiment. Non, mais t'as pas le temps du tout. Merci à Alexa et Polska qui étaient avec nous, qui étaient super chauds, qui m'ont carré. Alors les deux, ces deux-là qui m'ont carré, pas le quatrième qui était avec nous. Et puis voilà, franchement, avouez. Franchement, les 5 j'aime si vous trouvez mon perso super méga stylé de la mort qui tue. Tu vois, il manque juste. Après, je suis pas sûr qu'il y ait des camos violets, mais s'il y avait un camo violet, tu vois. Ouais, genre, il y en a pas. Mais si on avait un. Moi, j'attendais que tu continues, tu vois. Mais... Ouais, ah non, mais je suis en train de regarder, non, il y en a vraiment pas. Hein. Sur BO2, il y en a. Ouais. Là, il y a un pro de BO2 dans les commentaires qui a. Ah non, il est pas vraiment violet, il est plutôt pourpre. Il est plutôt mauve. Donc, ça, pour le prochain épisode, on aura fait. On essaiera de débloquer tout à fond. Du coup, parce qu'on passera sûrement notre prestige niveau 49 et du coup on débloquera la menu, etc. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode, sûrement encore avec Nani. Qui veut des abonnés, n'oubliez pas sa chaîne YouTube avec des chiffres et des lettres. Hein, dans la description, ouais, regardez juste la description. Voilà. Et puis, voilà, tout simplement. Je vous salue. Au revoir tout le monde. La gueule. Au revoir. Bon les gens, on va se quitter la musique. J'y arrive. Thank you.
genre un petit peu là-dessus. On se retrouve pour la quatrième partie. Demain, je pense, dans... Après qu'on dira poste. En fin de mon poste. Pour la quatrième partie de Grégoire, occupée par la dernière saison. Si vous voulez voir, Gotaga en vidéo, vous tapez Gotaga sur YouTube. Vous allez voir son dernier vidéo qui vient sortir. Moi, je le sors un jour après. Voilà, bref. Il y a 6 ans d'ailleurs. Vous avez la sortie quand c'est bien. Il est sorti aujourd'hui. Je le sors en même temps que lui. Il a fait avant moi, donc je le sors en même temps que lui. Ah, après je sais pas, il a fait à quelle heure, donc de quelle heure à quelle heure. Moi je le sors en même temps, donc la même date. Donc quand vous verrez la vidéo, alors je vais mettre cette vidéo, parce que ça va être en terminant tout, machin et tout. Quand vous la verrez à ce moment-là, en rentrant du boulot et tout, voilà. Donc, voilà, sinon pour ça. Une grosse dédicace à Valentin et à tous mes potes qui sont actuellement à l'école. C'est bientôt Pâques, soyez patient, c'est bientôt Pâques. Donc pour Pâques, il y aura des surprises, des trucs de fou, je vous réserve une vidéo de fou pour Pâques. On n'est pas encore là. Donc voilà. Mais je vous réserve des surprises pour ce Pâques 2015. Ouais, une surprise en particulier, vous verrez. Je sais pas, je vous en dis pas plus. Sur ce les gens, merci à tous et on se dit à tout à l'heure pour la. Enfin à demain pour la prochaine, pour la quatrième partie. Sacré Corac au cœur des paradis. Peace les gens. Merci à tous. Et ben attends. Peace.